Bonjour, bonsoir tout le monde. Dépend de l'heure que vous regardez vidéo. Jeudi, c'est mercredi 11 novembre 2020. C'est première information que nous portons pour journée. Hier, nous avons fait une vidéo côté nous avons parlé des manifestations que un paquet haïtien a fait en République dominicaine. Mais, il y a un peu de monde qui t'a commenté en bas vidéo que nous avons posté hier. Yo tap dit comme ça que c'est pas vrai. Alors, nous venons avec preview pour nous. Côté plusieurs gros journal en République Dominicaine sorti information. Et puis tout n'a bon chance garder vidéo a côté yo tap manifester a pour capable comprendre toute bagarre. Alors, nous toujours dit ça. Nous même staff bonjour nouvelle RDA, nous pas fait nouvelle. C'est bay nouvelle. On prend une pause, n'a pas retourné tout de suite. La Ou Media, c'est un channel tout neuf que nous créons pour vous spécialement si vous êtes un haïtien qui vit en République Dominicaine. Sous l'île nous bois c'est l'idée. Nous bail information concernant immigration et tout nous aider au gérer dossier papier ak en pile l'autre bagay encore. Si vous intéressé, nous déjà mettez le lien pour dans description vidéo ça avec dans espace premier commentaire pour capable passer abonné. Et pour moun ki pa konnen ki sa ki link lan, juste aller côté kon commenter vidéo a, n'a pwen un petit écrit ciblé, cliquez sous li et l'ap mene nous directement sous channel Claou Media. N'ap tann nous tout parce que Claou Media c'est une vraie famille. Wa di m pa di ou ça. Yon l'autre fois encore nous salye ou et n'ap di ou merci parce qu'ou abonné à channel la. Et merci à ou même qui pral abonné kounya la même. Sans qu'il ne puisse ajouter un yon encore, on prend un petit temps pour nous garder un petit bout de vidéo ensemble avec nous pour qu'on comprenne la réalité. À nous suivre. Señores, esta es una manifestación de haitianos en plena ciudad capital. Aquí les va. Como verán. Realmente ya nosotros no nos queda mucho por decir, ellos no tienen ninguna razón ahora mismo, ellos lo que quieren es que lo legalicen, yo me voy a echar un poco más para adelante para que ustedes vean esto está pasando ahora mismo en Santo Domingo, miren la hora que es y la policía me está prohibiendo que filme, no sé por qué tampoco, pero esto es un escándalo, si ustedes están viendo miren la cantidad que hay. Eso no fue previsto, salieron todos los haitianos, nadie sabe de dónde, pero miren todos los minutos que hacen y todavía siguen cruzando ellos para allá. No se sabe para dónde es que van. No pensé que te pensaron, yo te pensaron por te garder, entender toda esa dama que te filmé, video a te dijo. Maintenant, ¿qué es la principal razón de la manifestación? Et pour qui ça, c'est dans moment ça même haïtien yo te choisi manifester. Prends tiches bao chita ou bien monte kabanou parce que li fait en pile fredi allonge kou pour ka konnen tout bagay. République Dominicaine, c'est un pays qui gen plus haïtien ka vive la dan. Et tout ce pays qui pipre nous. Parce que c'est une frontière terrestre qui sépare nous. Mais ce pays tout qui vraiment pas bail haïtien encadrement. Parce que chaque jour c'est toujours un chirépit en dominicain avec haïtien. Là où pas attendre y a goumen sous dossier frontière, c'est une autre cause y a bouilli. Depuis quelques mois, service immigration en République Dominicaine pas suspendre déporter haïtien qui vivent de façon illégale en République Dominicaine. Et nous connaissons, gagnons dossier ticat ou bien ticane que haïtien qui vivent en République Dominicaine nous gagné. Et que ticat sa yo, nan moment n'a parlé à la même majorité nan yo déjà expiré. Direction générale migration a te commencé à renouveler ticane sa yo pour haïtien yo. Mais sans attendre,
pas gen moun ki konnen kote bagay sa li menm li pase paske yo kanpe avec dossier renouvelé Tikane. Luis Abinadel ki se président République Dominicaine. Depuis quelques mois, il a annoncé que li pral travay sou yon plan de régularisation pour Venezuelien yo. Côté li pral wè, se li ka bay Venezuelien yo papier. Mais li pa parler de Haïtien. C'est Venezuelien seulement que li te annoncé. Li pral fè papier pour yo. Parce que pays Venezuelien yo et de République Dominicaine en pile. Surtout sous dossier pétrole. C'est ça qui fait président République Dominicaine en parlant de Luis Abinadel, te parler de ça de façon pour lui montrer reconnaissance li en faveur pays Venezuela. Mais li pas songe tout, si gen yon pays qui aide République Dominicaine plus, c'est Haïti li rele. Parce que dans l'époque de Saline tap goumé, c'est pas pour Haïti seulement li te goumé. Mais c'était pour des îles Lyonnaises li te goumé jusqu'à ce que ni Haïti ni République Dominicaine te arrivé joindre indépendance. Dans jour qui se passe là, ministre affaires étrangères République Dominicaine nan, en parlant de Roberto Álvarez. Il te fait une visite dans pays d'Haïti. Côté il te al chercher yon accord de façon pour yo capable solutionner situation de crise que République Dominicaine trouve sous question commerce binational. Nous connaissons qui campait depuis quelques mois parce que l'État haïtien était d'accord bloquer douane. Eh bien, à cause secteur privé en République Dominicaine, levé encore gouvernement dominicain pour dossier commerce là qui bloqué. N'est obligé à chercher entente avec l'État haïtien. Mais pas comme jamais gagne rien qui tombait d'accord vrai pour que douane lui-même l'ouvre. Parce que trop haïtiens a souffri sous question papier en République Dominicaine et gouvernement haïtien a décidé qu'un béboulon yo dit jusqu'à ce qu'il yo améliore bagaille. C'est ça qui vient arriver dans moment là. C'est que direction générale migration a sorti une note pour faire connaître que à partir de 13 novembre 2020 là, yo pral commencer renouveler résidence et faire changement statut et spécialement pour Venezuelien. Parce que nous connaissons plus fort haïtien qui vivent en République Dominicaine pas gagner sa qui relait résidence. C'est raison ça qui fait haïtien yo décider prendre la rue pour yo manifester pour demander renouveler papier pour yo. Et ça qui pas gagne papier, yo demander pour gouvernement dominicain dégager pour li ba yo papier. Et puis tout, raison qui fait c'est dans moment ça exactement yo choisi manifester, c'est parce que nan moment que service migration prévoit arranger quelque bagay pour Venezuelien yo, eh bien, haïtien yo joué sous ça pour que yo ka joine yon bagay kap nan intérêt yo. Mach la li même li te fait nan yon intention pour que communauté internationale la ka wè et comprendre comment situation li même lié pour yo en République Dominicaine. Et que communauté internationale là t'a réagi en faveur yo même. En gros, c'est ça qui information moi espère comprendre tout ça nous t'a expliqué yo. Nous rivé dans fin vidéo a. N'a remercie parce que t'es resté regarder vidéo jusqu'à la fin et connaît pour moi c'est un plaisir pour me porter information ça yo pour vous. Pas oublier, information c'est une nouvelle que nous transmettre ba ou. Li fait 27 de février. C'est là haïtien yo te al manifester. N'ap di bye bye tout moun, en pile l'amour, en pile love pour chaque nan nou Mali. N'ap tande vwa ça encore dans yo prochaine vidéo sur même channel là qui c'est Bonjour Nouvelle Herd Mali.